Allez, bonjour à tous, bienvenue au pays de Heidi. Voilà une pastille de la place du village qui nous emmène peut-être dans le plus bel endroit des pays de Savoie. Allez, on a dit le plus bel endroit des pays de Savoie avec un chalet magnifique. En réalité, il s'agit d'un restaurant d'alpage, un ancien chalet d'alpage. Nous sommes ici en altitude, on va le préciser, à 1550 mètres d'altitude. Et regardez bien ce qu'on va découvrir en face maintenant. Bonjour à tous. Nous sommes en direct depuis le haut Val d'Arly ici, face à nous le Mont Blanc, déjà dans les nuages ici, et avec cette superbe vue ici sur la Savoie, le Beaufortin, ou au fond la Pyraminthe là-bas, ici exactement. Et puis ici derrière vous avez ces sapins magnifiques ici, j'ai dit Heidiland parce qu'on s'y croirait ici. On est exactement sur la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle, bonjour. À part Isabelle, bonjour Stéphanie Grincourt qui nous regarde, Jean-Paul Liraud aussi, Jérôme aussi, merci de nous regarder. Et puis regardez ce chien, alors, je ne sais pas quelle race ce chien, on ne sait pas trop, il est là. Voilà à quoi ça ressemble. À Heidiland, il manque le grand-père peut-être. On est en pays de Savoie. 1550 mètres d'altitude sur la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle, c'est le Haut-Val d'Arly, on n'est pas très loin de Flumet. Ce chalet est absolument magnifique, restaurant d'alpage. Les Avenières, voilà le nom. Les Avenières, un endroit où il faut absolument venir ici. Voilà, bonjour. Bonjour Claude qui nous regarde d'en face. Pierre, on vous montre le village de Claude. C'est le beau village de Notre-Dame de Bellecombe avec le mont Reguet qui est ici. Après, on voit ici toute la chaîne derrière ici. C'est absolument extraordinaire. Voilà, quelques réglages à faire ici. Bonjour à tout le monde. Le Val d'Arly ici avec Megève ici, exactement la belle station de Megève hein, qui est ici, on rappelle qu'on est en Haute-Savoie pour ceux qui nous rejoignent ici, au Val d'Arly, Praz-sur-Arly, la commune de Praz-sur-Arly, très belle commune de Praz-sur-Arly, l'aiguille du Midi qui est exactement ici, on va la montrer ici, exactement ici, et puis la chaîne du Mont-Blanc ici. Bonjour à tous, voilà, on est ici, je vais vous montrer un petit peu le paysage avec ce chien qui est là, cette façade de ce restaurant magnifique, avec tout est dans son jus ici. Et quand on se déplace ici, on voit même arriver un vélo. On a des gens qui sont au restaurant ici dehors, dans un endroit exceptionnel. Les Avenières, 1550 mètres d'altitude. Voilà, chaque table est faite avec un télésiège. Regardez le télésiège. Ici, on voit les gens qui sont attablés ici, d'autres télésièges ici. Puis on a un mouton qui est là-haut aussi. Un petit peu ce paysage. Voilà, ce restaurant étonnant. Avec ces sièges qui sont des télésièges, on le rappelle. Chien. Il est à qui ce chien? Vous savez qu'il est en direct Facebook, bonjour. Il est à vous, c'est quelle race? Est-ce qu'on peut... Non, 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 pas lui, le chien, pas lui, mais le chien, on peut le montrer. Comment? Eurasier, il est là, il est tellement beau ce chien. Mais alors dites donc, il y en a beaucoup des chiens comme ça? Et le patron, on ne peut pas le montrer, le patron, il ne veut pas le montrer, le patron. Non, pas sur Facebook. Non, non, on est en direct, on est en direct, mais il est tellement beau. Il y a un petit mouton ici. Vous êtes de la région, non, ici? Vous êtes de la région? Ouais, on habite en bas là. Vous habitez en bas au Saisir, on va bien montrer l'endroit ici. Vous venez souvent ici? Ouais. On y est bien? Oh, non. On y... Tellement bien. Merci à vous en tout cas. On continue le direct. On rappelle 1550 mètres d'altitude ici. Température 25 degrés. On va peut-être retrouver le chien. Il est magnifique en tout cas. Et l'ambiance est étonnante. Regardez le décor étonnant, les Avenières ici, on le rappelle. Avec ici quelque chose de très surprenant. Avec des bidons qui ont été installés peut-être ici. Et puis on continue comme ça. Ici, on a le décor des Avenières ici. Bonjour à tous, bonjour à toutes ceux qui nous rejoignent. Bonjour Damphion. Très beau paysage. Heidiland, j'ai dit tout à l'heure. Les vaches sont derrière. Ici, on retrouve une petite table avec à nouveau un télésiège. Et puis derrière, on a la tête du Treux. 1835 mètres d'altitude, un endroit absolument magnifique aussi. On retrouve justement, regardez un petit peu ces ambiances ici, sans déranger les gens bien sûr, qui sont à table. On a le serveur qui passe ici, on est en direct, on le rappelle. On va aller voir, tiens, du côté de cette table là. Et on a une petite surprise encore assez étonnante, avec cette vue toujours incroyable sur le Mont Blanc. 25 degrés, 38 nuits, Monique chez elle. 25, un petit peu de brise, et surtout un petit peu de vent. Regardez ce massif magnifique. Et quand on va voir, on a un lit ici, regardez. Très très surprenant. On a un lit et on voit des enfants qui sont dans le lit. Voilà, mais ils sont cachés. Alors ça c'est les Avenières, ça c'est très étonnant.
Bonjour les demoiselles. Voilà comment ça se passe. Et on continue comme ça, encore des gens qui discutent, toujours en direct. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci de nous donner le temps chez vous. Hein. Voilà, le décor est très original ici. Laurence qui nous salue, Lucette aussi. On va. Est-ce qu'on peut s'approcher? Bonjour. Bonjour. On a un jeune homme qui est en train de manger, on peut le montrer, le jeune homme? Oui. Bonjour Mathieu, bonjour la maman. On est en direct, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Hein. Et merci, voilà comment ça se passe aux Armières. C'était bon Mathieu? C'est bon. Voilà le décor ici incroyable, cette ambiance est fabuleuse. Voilà, comment ça se passe ici? Ah ben c'est parfait. Décor magnifique, repas excellent. Voilà. Tout est parfait. Il y a Moumine qui est déjà dans le décor, c'est juste magnifique. Vous êtes bien là-haut, il fait chaud chez nous, oui. Dites-nous quelle température vous avez. Nous on a 25 ici et un petit vent, ça veut dire qu'ici, mieux ce serait pas supportable. Hein. C'est ça, on veut pas redescendre. Alors bonjour des Bouches-du-Rhône avec 38 degrés on nous dit. Tiens, on va demander à quelqu'un, Muriel. Alors on a parlé de la tête d'Utreux juste derrière Muriel. Voilà, là-haut. Ouais, tu y as monté ce matin. Comment ça se passe? On est à 1825 mètres là-haut derrière. Facile à monter ou pas? Ouais, il faut quand même avoir une bonne condition physique. C'est un petit peu... Ouais, c'est pentu, ouais. C'est 300 mètres de dénivelé. C'est pentu, mais c'est court, 3 quarts d'heure. Donc ça se passe bien. Surtout qu'après, on a vraiment le réconfort. On boit frais, c'est ventilé, c'est parfait. Voilà, le sourire de Mathieu en Guilon, regardez-moi cette image fabuleuse. Ça, c'est les enfants, le bonheur des enfants. Et ça veut dire que c'est facile à faire, tout le monde peut le faire. Oui, par contre, on peut continuer à perte de vue après. Donc, avis aux amateurs. Avis aux amateurs. On rappelle qu'on est dans la chaîne des Aravis ici, le Haut-Val d'Arly. Merci beaucoup. Et l'avantage, c'est qu'on peut coucher les enfants le jour ici. Et les enfants on peuvent peut les mettre au lit, dehors. Bonjour voilà. À Lisiane qui nous rejoint aussi, Pierre-Charles aussi. Sylvaine. Et regardez bien, on va surprendre les enfants dans le lit. Et voilà, les enfants qui crient dans les lits, voilà. Ça se passe comme ça, c'est les avenirs. On rappelle, 1550 mètres d'altitude. On est en direct cet après-midi, début d'après-midi. Température 25 degrés, grande fraîcheur. Il est bon le Nutella, nous demande mon jumeau justement. Oui, il est très bon le Nutella. Et là, je m'approche d'une table d'orientation qui est ici. Et là, on va faire un petit tour avec une ambiance, je dis, de l'Heidiland, le pays d'Heidi. Les sapins sont verts, l'alpage est là, les vaches sont derrière, elles sont pour l'instant dans la forêt, on entend les cloches. Vous avez un petit maso ici, un petit chalet, qui est sans doute le Freddy, c'est là où on mettait au frais les produits autrefois. Et là, vous avez une ambiance incroyable avec la chaîne des Aravis ici, la pointe percée qui est là, juste là. Ici, c'est le grand croise-bolet qui domine la Giette, le col des Aravis, juste là derrière, la chaîne des Aravis ici. Et puis ici, on continue avec le petit village de Chaussis, attention. Une table d'orientation qui est ici, en direct toujours. Vous êtes nombreux à nous suivre, merci. Et puis ce fabuleux paysage qui est là, avec ce Val d'Arly, ce haut Val d'Arly. On rappelle ma Gève ici, on rappelle qu'on est en Haute-Savoie ici. Mais nous sommes sur le village de Saint-Nicolas-la-Chapelle, qui est en Savoie, on le précise bien. Et en face, le Mont-Blanc, avec le 0 degré qui flirte avec les 4100 mètres cet après-midi. Voilà les Aravis, que de souvenirs, nous dit Virginie. Et oui, on y est dans cette chaîne des Aravis. Et là, on a une température, encore une fois, idéale de 25 degrés. Beaucoup de calme, avec les vaches qui sont dans la forêt, là-bas, dans les grands sapins, là-bas derrière. Le troupeau d'abondance est là-bas, bien au frais, on va dire. Et puis derrière nous, ce chalet, ancien chalet d'alpage, reconverti en restaurant. Vous retrouverez l'adresse, on la mettra, hein, pour ceux qui le souhaitent. On peut y manger de bonnes choses, ça s'appelle Les Avenirs, c'est l'alpage des Avenirs, on est en direct, on le rappelle. Allez, on va dire que c'est un petit peu là, the place to be, l'endroit où il faut être. C'est quoi le nom du resto, Philippe? Ça s'appelle Les Avenirs. Les Avenirs, la route monte ici. Voilà, montrer la route, elle est tout à fait carrossable. On peut monter à pied ou en voiture l'hiver. Je crois que c'est fermé l'hiver maintenant, je vais demander quand même. J'ai connu cet endroit il y a plus de 20 ans. Quel changement, toujours aussi beau avec les aménagements. Oui, c'est vrai. Alors, salut, Hugo. Hugo qui nous regarde, tiens, un grand coucou, Hugo. Tu rencontres des réfugiés climatiques? Oui, en fin de semaine. À mon avis, il faut venir ici. 1500 mètres d'altitude, 1550 pour être précis. 25 degrés cet après-midi. Les enfants qui s'amusent, on les voit ici. Voilà, les enfants qui s'amusent. C'est pas beau, ça. Et ça s'appelle Les Avenirs. C'est ouvert, on le précise bien. Les midis. Pendant toutes les vacances, alors le soir, le week-end, mais en fin de semaine, il faut réserver. On vous mettra le hashtag, comme on dit. Voilà, regardez cette ambiance. Les gens sont dehors. On va dire qu'on a déjeuné ici aussi, à midi. Et puis
où on retrouve les quelques enfants qui sont là, sous cet étrange, alors c'est vraiment étrange, c'est un lit dehors, n'importe qui peut faire la sieste, enfin quand on peut dormir, c'est pas le cas, pour tout le monde, quand on peut dormir, là on voit des enfants qui se sont mis sur le lit, voilà le lit, il n'a pas été inventé, c'est un vrai lit, avec des enfants qui sont dessus pour sortir, voilà, on les voit, petit air, petite brise, grande douceur, pas de chaleur, on est bien. Peut-être qu'il faudra venir effectivement en fin de semaine avec la chaleur. C'est là où il faut être, par contre, on n'a plus envie de descendre. Oui, alors ça Daniel, tout à fait juste, on n'a plus aucune envie de descendre après. Voilà, on est là avec cette grande verdure. Pour l'instant, les alpages sont restés très verts en Pays de Savoie. On rappelle qu'on est dans le département de la Savoie ici. Les foins ont été faits ici, c'est très vert, très 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 vert. On attend bien sûr encore de la pluie qu'on n'a pas tout de suite. On rappelle que la canicule va sévir sur la France cette fin de semaine et à mon avis, ce sera bien d'aller en montagne. Venez en montagne, trouvez tous les moyens pour venir en montagne parce que franchement, c'est ici qu'on est bien. Et je connais même des gens qui vont venir passer le week-end prochain en montagne pour quitter la vallée. Voilà. Florian qui nous rejoint aussi. Quelques nuages dans le ciel. Et le Mont Blanc qui sort, là-haut, on voit le Mont Blanc qui est là, juste là. Et le paysage est absolument fabuleux. L'endroit est magnifique et pour rien vous cacher, cet endroit est très prisé de beaucoup de gens de la région, puisqu'on peut y monter en voiture, on peut déjeuner, et cette ambiance absolument incroyable ici. Regardez, alors, on ne dérange personne. Les enfants sont encore sur le lit, puis regardez ces espaces verts. Très prisé comme endroit, très prisé. À la fraîche, un paysage magnifique, juste une merveille. On a envie de vous rejoindre, ben venez. N'hésitez pas à nous rejoindre, surtout. C'est vrai que c'est tellement beau, cette plantation nous indique à peu près tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai failli me tromper. Et là, voilà ce qu'on voit ici. Voilà le paysage ici. 1550 mètres d'altitude aux Avenières. Saint-Nicolas-la-Chapelle. Petit bouquet de fraîcheur qu'on vous envoie. N'hésitez pas à nous donner les températures chez vous. Dans le bas, savoir s'il fait chaud, probablement oui aujourd'hui, avec des températures qui seront encore plus élevées en fin de semaine. Voilà. Donc la montagne, il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut en profiter. N'hésitez pas à venir rejoindre toutes les montagnes et les nuits sont fraîches ici, attention, les nuits sont fraîches. Magnifique Isabelle, midi magnifique. Voilà. On va terminer avec le chalet, on va le retrouver ici, la façade que j'aime beaucoup, beaucoup, façade assez suisse d'ailleurs de ce chalet d'alpage qui croulait sous la neige cet hiver avec 3 mètres de neige au sol ici et la neige a fondu très tardivement, elle a fondu début mai ici, faut le savoir quand même, et que maintenant on est dans une situation de grande douceur donc. Et on n'imagine pas les 3 mètres de neige qu'on avait ici à la fin de l'hiver. Cette façade incroyable. Alors, nos amis suisses qui nous regardent vont aimer parce qu'on est vraiment dans ce qui se fait en Suisse, dans ce bois foncé avec justement tout ce qu'on voit ici. Et puis surtout les boys qui pendent, les boys, ce sont les bidons de lait qu'on voit ici avec ces magnifiques fenêtres à croisillons. Et puis ces bidons décorés ici. Voilà à quoi ça ressemble. Heidiland, vous avez prévenu, la ferme date du 12 juillet 1911. On voit la panne fêtière là-haut. Qui l'indique justement. Voilà, on va vous laisser. Merci de nous suivre régulièrement sur la place du village. Canal Cantal, 32 degrés dans le Cantal, donc 32 dans le Cantal, oui. N'oubliez pas de retrouver la place du village tous les jours sur la chaîne MB Live TV, n'hésitez pas. Salut Hervé qui est à 3, lui. Quelle température Hervé à 3, tiens. Voilà, à moins qu'il soit parti en vacances aujourd'hui. Signaler qu'on nous retrouve tous les jours, c'est tous les jours à 9h, 12h, 18h, 20h30 et 23h, et dès la rentrée des programmes frais justement. Voilà, salut en temps direct, on salue ceux qui travaillent ici là sur les lieux avec ces sapins et les vaches qui sont dans les sapins ici, dans les sapins. Voilà, Monique qui nous dit merci à vous, 30 degrés à Thônes, nous dit Sylvie. Les températures sont chaudes, même dans le cœur des vallées alpines. On voit ici les commodités, on appelle ça les cacatis chez nous ici. Et cette immense façade magnifique de ce restaurant. Voilà,
On voulait vous envoyer ce petit bouquet de fraîcheur. On va vous souhaiter bonnes vacances. Et surtout, supportez bien la canicule pour la fin de semaine. Voilà Claude qui me dit bise d'en face et Harvey, Claude. Elle habite là, Claude. Elle est première adjointe dans la commune ici, hein, de Notre-Dame de Bellecombe. À côté, on a Crévolant. Voilà. Et puis, c'est ces nuages qui donnent de la beauté au ciel aujourd'hui. Ces petits nuages ici. Et puis, ces gens qui sont là, bien. Voilà. On est bien, on vous laisse. Bon après-midi. Je crois que je vais aller faire la sieste. Peut-être pas dans le lit, mais je vais faire la sieste en tout cas. Que de belles images. Merci Virginie. À quand le plaisir de vous voir en tarentaise bientôt. Isabelle, on retournera en tarentelle très, très, très rapidement. On reprend les tournages fin de semaine, là, tout le mois d'août, septembre, octobre. Jamais, on ne s'arrêtera jamais. Voilà. On continue, on sera à nouveau sur le terrain. Là, aujourd'hui, c'était un petit peu une petite pause qu'on va faire ici. Allez, on termine avec cette façade magnifique. Je vous la laisse. À très vite. Bonne journée. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée.